La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Marc Page. Aujourd'hui, nous parlons de Lamia Ziadeh qui nous a offert cet ouvrage, Ma très grande mélancolie arabe. Et nous en parlons avec Reda Benani de 7.info. Bonjour Reda. Bonjour Stéphane. Alors, c'est une virée dans des cimetières entre les tombes de martyrs, de résistants, de révoltés, de leaders principalement au Liban, mais aussi dans d'autres pays arabes. Oui, Lamia Ziadeh nous dresse le portrait très tendre et assez grave en fait d'hommes et de femmes, connus ou pas connus, qui ont pris les armes ou qui sont devenus kamikazes. On le sait, le Liban incarne une forme d'harmonie entre les cultures et les ethnies, mais il a été souvent l'objet de guerres. Et du coup, des chrétiens, des musulmans chiites, des laïcs peuvent rassembler leurs forces pour combattre l'occupant. Bah, ce qui est très intéressant, c'est que le livre met l'accent sur la notion de point de vue, selon où on se place. Par exemple, au sud Liban, cette région elle est contrôlée par le Hezbollah. En Occident, il est considéré comme un parti terroriste. Mais dans le monde arabe, il est considéré comme un parti de résistants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à éloigner l'agresseur, en l'occurrence, c'était Israël. Et dans ce récit, on n'oppose pas systématiquement les Arabes occidentaux et les puissances étrangères. Non, par exemple, l'Arabie saoudite a détruit énormément de vestiges historiques de l'islam, alors qu'ils s'en revendiquent. Donc le livre nous laisse une impression de révolte, de gâchis et de tristesse. Et il y a des dictateurs qui pensent qu'à leur pouvoir, et le peuple, en fait, il peut toujours pleurer pour son indépendance. Merci Reda Benani d'avoir été avec nous. Ma très grande mélancolie arabe, c'est l'œuvre de Lamia Ziadeh et c'est notre conseil du jour. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le site de la télé pour en avoir d'autres. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.